Et ici, pour la première fois, on a rassemblé 271 pièces de notre collection. Oui, une grande première. Ici, nous sommes dans la salle des pendules mystérieuses et derrière, autour de moi, il y a les 16 pendules mystérieuses de la collection Cartier. C'est la première fois qu'elles sont rassemblées et qu'un public restreint et de connaisseurs peut venir les admirer. Une pendule mystérieuse, comme vous le voyez ici, était appelée comme cela parce qu'on ne pouvait pas deviner comment les aiguilles sont reliées au mouvement. Ce qui est le plus ingénieux, c'est d'avoir fixé les aiguilles sur des disques de cristal et ce sont en fait ces disques qui tournent. Celle-ci date de 1923 où là on a encore compliqué un peu plus les choses parce que le mouvement est sous le petit Bouddha et la transmission s'effectue à travers un axe qui passe à travers la barre de cristal de roche et qui est masqué par le petit cabochon de corail. C'est plus qu'une exposition Cartier, c'est une exposition qui consacre aussi tous les différents métiers, même dans les autres salles vous avez des pendulettes en émail, vous avez beaucoup de métiers, beaucoup d'artisanat d'art.